ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver aussi un stigmate, ça fait du bien de trouver un grand terrain, d'avoir des oppositions, de pouvoir jouer, de pouvoir aussi avoir un coach qui est là et avoir des exos, de se retrouver tous ensemble et tout. C'est une ambiance aussi, je pense. Les filles, on est super contentes de retrouver l'ambiance aussi qu'il y a en dehors du terrain et sur le terrain aussi. Je pense que ça redonne le sourire et ouais, ça remotive, ça rebooste à la fin. Du coup, j'ai été en tout en senior convoqué 4 fois. Et à cause du Covid, du coup, j'ai pu en faire que 2 sur 4. Le moral, ça donne un coup au moral quand même quand on est convoqué et que c'est pas facile de se dire que finalement, c'est pas possible. Et du coup, de pouvoir venir, c'est vraiment... Enfin, c'est important pour le moral aussi. Situation particulière, on le sait tous, mais on arrive quand même à faire des stages pour les filles et préparer la Colombie au cas où. Donc des fois difficile aussi parce que les filles elles s'entraînent comme elles peuvent, comme un peu tout le monde. Elles suivent la préparation physique, elles ont tous envie, elles sont motivées, elles une bonne cohésion, un bon groupe. Je suis content de ça et on fait tout pour pouvoir déjà faire mieux que pour leur game à Barcelone, même si on est passé à côté d'un chouïa. Et on travaille, elles sont battantes et elles ont vraiment envie de donner les moyens d'y arriver. Le plus difficile, c'est retrouver à chaque fois le rythme. Il n'y a pas de match, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'entraînement. Donc, je pense que c'est le côté le plus difficile. Maintenant, le côté Covid, on le met dans la tête, je pense que l'habitude y est. Mais donc on passe plus à ça, on se donne à fond, on travaille. Mais c'est vrai que le manque de rythme des matchs et tout ça, c'est difficile ça à combler. Par rapport au stage, les filles, je trouve, s'en sortent pas trop mal malgré le peu d'entraînement qu'elles ont dans les clubs. On a pu faire des stages au mois de décembre et de novembre. Et ça fait quand même une grosse coupure, malgré tout, elles répondent présentes, je pense qu'elles ont très envie de jouer, voilà, ça leur manque, mais comme à nous aussi, entraîneurs, de retrouver le chemin du terrain. Et pour l'instant, je suis agréablement surpris de l'engagement des filles. Maintenant, je pense que ça va être compliqué pour elles de tenir la longueur sur le stage, mais en partie parce que voilà, il y a un manque de pratique derrière, il y a un manque de championnat derrière qui leur permet pas d'acquérir un rythme et d'être en meilleure condition qu'elles le sont aujourd'hui. Espérons qu'on continue à travailler dans des conditions meilleures dans les mois à venir et que l'accès aux salles soit facile pour elles, parce que pour beaucoup elles ne peuvent faire que de la préparation physique et c'est limitant à un moment donné. Mais bon, pour l'instant je trouve le stage plutôt satisfaisant après un jour et demi.